Hello students, hope you are fine. We are continuing our episode number six, the topic number one, the topic conversation number one. We will talk today about l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire l'environnement? L'environnement is a very important topic that now it's frequently coming, l'environnement, the environment. D'accord? On commence. Ready? L'environnement construit. That means that you will talk about the environment and the place where do you live. D'accord? Here, maybe you think that environment, you are talking about environment, how you do to save your environment. No. Okay? The topic only is about environment, but he will talk about the city, where do you live, and the country, where do you live. Numéro un, la question, like we said before, we have always five questions. One question in the passé, one question in the future, and three questions in the present. D'accord? Numéro un, dans quel pays habites-tu? Where do you live? In which country do you live? Pays is a country. And you can say, j'habite en France if the country is féminin. J'habite au Canada if the country is masculin. J'habite aux Émirats if the country is pluriel. But here, if the country is féminin, we put en. If the country is masculin, we put au. If the country finishes with S, we put au. D'accord? Comment est ta ville et ton village? Here, he will ask you about your city. For the city, we normally put à Paris, à Rome, à Dubaï, à Jeddah, à Riyad. Numéro 3, parle-moi de ta dernière visite dans une grande ville. Talk about your last visit to a big city and with whom did you go? Tu es allé avec qui? Or, qu'est-ce que tu as fait la dernière fois que tu as allé dans une grande ville? What did you do when you went to a big city? And c'était avec qui? It was with whom? The members that you had with you. Numéro 4, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire ou à voir pour les touristes dans ta région? What is interesting for the tourists in your region? You have to mention all the activities or the interesting site for the tourist in your region, the region that you went or the region where it's located, your city. Numéro 5, plus tard dans la vie, later in life, préférez-vous vivre en ville ou à la campagne? Here we need to have some information about what the difference between ville or campagne or countryside. Do you like to live in a city or a countryside in the future? That means that it's not talking typically about environment, but the topic is current. It's named l'environnement. D'accord? But it's not about environment as environment topic. D'accord? Later, we will have a topic about the environment and what you do to save your environment. D'accord? On commence. Je répète les questions une autre fois. Qu'est-ce que... Je répète les questions une autre fois. Numéro 1, dans quel pays habites-tu? Comment est ta ville ou ton village? Numéro 3, parle-moi de la dernière visite dans une grande ville. Tu es allé avec qui? Numéro 4, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire ou à voir pour les touristes dans ta région? Numéro 5, plus tard dans la vie, préférais-tu vivre en ville ou à la campagne? Maintenant, on commence les réponses. Dans quel pays habites-tu? In which country do you live? You will say, j'habite where, in which city, and in which country also. J'habite à Riyad, like I said, in front of the city, we put à, j'habite à Riyad en Arabie Saoudite. Or, j'habite au Caire, en Égypte. J'habite à Londres, en Angleterre. D'accord? That means that you mention the city. City, that means ville, and country is pays. D'accord? Pays. Numéro 2, comment est ta ville ou ton village? How is your city or the village where you live? You will say the name of the city or the village where you live. You will say it's une ville très moderne. It's a very modern city. Il y a beaucoup de centres commerciaux, des parcs d'attractions et des restaurants. I think in every city now, we have a lot of commercial centers, malls, parcs d'attractions et des restaurants. D'accord? It's something common. Numéro 3, parle-moi de ta dernière visite dans une grande ville. Tu es allé avec qui? Talk about your last visit to a big city and with whom did you go? You will say, l'année dernière, last year,
Je suis allé. Take care. Je suis allé is a past tense of verb aller. I went. D'accord? Is a past tense of verb aller. Je suis allé. Don't forget. Je suis allé. It's one of the 14 verbs that usually conjugated with être. Je suis allé. Je suis entré. Je suis retourné. Je suis allé au Caire. You mentioned the city. Where did you go? Avec ma famille. With my family. I can say avec mes amis. Why? C'est parce que c'est ma ville natale. It's my home city. And it was a very interesting visit. C'était une visite très agréable. I know that he didn't ask you about to say this, but it you will take more marks. D'accord? It will raise your conversation to the A star. Don't forget. Whenever we add something, it's for you, for your benefit. D'accord? Short answers in the speaking exam are not recommended. Long action, answers are welcome. Hein? L'année dernière, je suis allée au Caire avec ma famille. I answered. Where did I go? With whom? Hein? Parce que, why did you go there? Parce que c'est ma famille, c'est ma ville natale, ou parce que je voudrais, parce que j'ai visité mes parents ou mes grands-parents, ou pour passer les vacances, you have to mention why did you go there? Pour passer les vacances, if you want to say. Pour passer les vacances chez mes grands-parents, with my grandparents. D'accord? Mes grands-parents. D'accord? This means that you will mention why did you go to this city and how was the visit? C'était une visite très agréable. And here to combine the past tense with the past continuous tense, c'était imparfait. It will be so, so good. C'était, it was. Whenever I describe a visit, I will use c'était. C'était intéressant. C'était important. C'était une visite très agréable. D'accord? That means this is so good to answer. Numéro 4. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire ou à voir pour les touristes dans ta région? What is interesting or what the interesting side that the tourists can see in your region? I will mention where, which region first, au Caire, en Angleterre, d'accord? Au bord de la mer, il y a les pyramides et les monuments touristiques, d'accord? We have pyramids, I'm talking about Cairo, d'accord? Les pyramides et les monuments touristiques, il y a beaucoup, beaucoup de monuments touristiques, d'accord? What the tourists can see there, on peut visiter en, that means for general thing, on peut visiter le musée, les vieux quartiers, old districts, et la tour du Caire, the Tower of Cairo. D'accord? Les touristes aiment aller au marché, where they like to go, aiment aller au marché, to the open market, pour acheter des souvenirs et des cadeaux, to buy souvenirs and cadeaux. D'accord? But that means I mentioned what it's interesting for the tourists to see in my city or my region. Au Caire, il y a les pyramides, les monuments touristiques, on peut visiter les musées, les vieux quartiers et la tour du Caire, the Tower of Cairo. Les touristes aiment aller au marché pour acheter. Why they like to go to the open market to buy some souvenirs, des souvenirs et des cadeaux. D'accord? And don't forget to use they. It's for the plural nouns. D'accord? Numéro 5, la question numéro 5, plus tard dans la vie, préférerais-tu vivre en ville ou à la campagne? Do you prefer to live in the city or at the countryside? Okay, that means you will choose. Don't say again, I like to visit in the city, even that you like to live in the city, but we have already mentioned a lot about the city. It will be intelligent here to use different contexts. That means la campagne. Dans l'avenir, in the future, je préférerais, the conditionnel, vivre à la campagne, in the countryside. Why? Parce que j'aime la nature, j'aime le calme, d'accord? J'aime les animaux. Ça serait plus sain de vivre à la campagne. It would be healthier, plus sain, healthier to live at the countryside. D'accord? That means that here, instead of mentioning the city again, we already mentioned many things about the city. Now we have to mention something about the campagne. D'accord? Je répète une autre fois les questions et les réponses. Dans quel pays habites-tu? J'habite à Riyad, en Arabie Saoudite. Comment est ta ville ou ton village? Riyad est une ville très moderne. Il y a beaucoup de centres commerciaux, des parcs d'attractions et des restaurants. Parle-moi de ta dernière visite dans une grande ville.
Tu es allé avec qui? L'année dernière, je suis allé au Caire avec ma famille parce que c'est ma ville natale. C'était une visite très agréable. I say it was a very nice visit. Numéro 4, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire ou à voir pour les touristes dans ta région? What sites that tourists like to visit in my city? Au Caire, il y a les pyramides et les monuments touristiques. On peut visiter les musées. I can visit some museums, les vieux quartiers, old places et la tour du Caire, Cairo Tower. Les touristes aiment aller au marché. They like the tourists like to go to the market to buy pour acheter des souvenirs et des cadeaux. D'accord? Numéro 5, the future tense question. Plus tard dans la vie, instead of plus tard dans la vie, I can say plus tard ou dans la vie, of course, or dans l'avenir. It's better to say dans l'avenir, it will be easy for you in the exam. Plus tard dans la vie ou dans l'avenir, je préférerais, the conditional tense, je préférerais vivre à la campagne parce que j'aime la nature, le calme et les animaux. Ça serait plus sain, it will be healthier de vivre à la campagne. D'accord? J'espère que c'est facile pour aujourd'hui. On se voit à bientôt. Hello students, welcome back. We are continuing our topic number two, the topic conversation number two for episode number six. Le travail. D'accord? The topic number two is le travail. Qu'est-ce que ça veut dire le travail? We took this topic before in our role play. Le travail, that means for job, ok? For work, ok? Très bien, on commence. Maintenant, what are the questions that may be coming in the speaking exam for French? Premièrement, les cinq questions, like we said before, we always had five questions, d'accord? La question numéro un, qui travaille dans ta famille? That means that they will ask first about your family jobs, d'accord? Who works in your family? Mon père, now you have to mention your family member. Mon père, ma mère, my dad, my mom, ma mère, d'accord? Or I can say papa, maman, d'accord? But it's more formal to say mon père, ma mère, mon petit frère, mon grand frère, d'accord? Numéro deux, le soir, at night or at the evening, combien d'heures de devoir fais-tu? How many hours you have as homework? D'accord? Devoir is homework. Devoir. How many hours you have for homework? D'accord? Numéro 3, parle-moi des matières scolaires que tu as étudiées l'année dernière. Talk about the school subject that you have studied last year. School subject. And now, this is the past, the past tense question. The matières scolaires that you have studied l'année dernière. Numéro 4, est-ce que tu penses que les études supérieures, this is a very important question. Est-ce que tu penses que les études supérieures sont nécessaires pour trouver un bon travail? Do you think, because this is your opinion, do you think that high studies, d'accord, are very necessary to have a work or to get a work in the future? Pourquoi? D'accord? Or he will ask you, à ton avis, est-il important de faire des études à l'université? If it's important for you to continue your study at the university and why? D'accord? Numéro 5, this is the future tense. Dans l'avenir, in the future, aimerais-tu travailler à l'étranger? Would you like to work in a foreign place or abroad? And pourquoi? D'accord? Ben, je répète les questions une autre fois. Premièrement, he will ask you about the job of your family or your parents. How many hours do you have for homework each night? Numéro 3, about the school subject, les matières scolaires. Numéro 4, it's your opinion. Do you see that it's important to continue your high studies or high school? D'accord. Numéro 5, dans l'avenir, aimerais-tu travailler à l'étranger? Do you like to work abroad or no, or to live in another country? D'accord? On commence. Très bien. Maintenant, on va répéter les questions et on va discuter les réponses. D'accord? Qui travaille dans ta famille? If you will ask us qui travaille dans ta famille, I will say,
all the persons that they work in my family, I will say, mon père travaille dans une banque, where, or what is his job? Mon père est médecin, il travaille dans un hôpital. You have to mention the job and where does he work. D'accord? Mon père travaille, ma mère travaille dans une école. D'accord? That means I can mention the job and the place also. Hein? Mon père est médecin, il travaille dans un hôpital. Mon père est comptable, il travaille dans une banque. Ma mère est professeure, elle travaille dans une école. Ma mère est secrétaire, elle travaille dans une école ou dans une banque. That means it's better to say the job and the place also. D'accord? Numéro 2, le soir, combien d'heures de devoir fais-tu? How many hours you study for homework? D'accord? You will say d'habitude, normally, chaque soir, each night, j'ai 3 heures de devoir. That means it's so good to mention when and you mention for how many hours. D'accord? Combien d'heures de devoir fais-tu? You will say d'habitude, normalement, d'habitude, normally, chaque soir, j'ai 3 heures de devoir. Hein? You can mention also during the week, I have 3 hours, but in the weekend, I got more hours. J'ai, par exemple, I can add pour le weekend, j'ai 4 heures de devoir. La question numéro 3. Parle-moi de tes matières scolaires que tu as étudiées. A étudié, this is the past tense. Don't forget, a étudié. Tu as étudié l'année dernière. OK? I start with l'année dernière first. L'année dernière, j'ai étudié. Le passé composé. J'ai étudié what subject? Les maths, la physique, la chimie et la biologie. D'accord? That means that I have to know some school subjects in France. Les maths, la physique, la chimie et la biologie, it's easy. D'accord? Numéro 4. Est-ce que tu penses que les études supérieures, what's the meaning of les études supérieures, high studies or university studies? À mon avis, my opinion, I have to mention this. Je pense que, that means we have to mention it. Whenever he will ask you about your opinion, you can start exactly like this. À mon avis, je pense que les études supérieures sont très importantes pour trouver un bon travail. It's very important, of course, to finish my university studies to find a good job. D'accord? And you can see we cannot find a good job without high school or high studies. D'accord? Parce que il y a beaucoup de compétition, because we have now a lot of competitions, surtout quand on travaille à l'étranger, surtout, that means especially when you work abroad, d'accord, when you work in another country. Trouver un bon travail, to find a good work, n'est pas facile ces jours-ci. It's not easy these days. Why? Donc, on doit faire des études supérieures. We must do some études supérieures, high studies. D'accord? Again, je répète, it's a very important question, like I said, if he will ask you about your opinion about continuing your high studies, you will say, à mon avis, je pense que les études supérieures, that means the university studies, sont très importantes. For what? Pour trouver un bon travail, to find a good job. Why? Parce qu'il y a beaucoup de compétition. We have a lot of competitions now from all parts of the world. Surtout quand on travaille à l'étranger, especially when we work abroad. On travaille à l'étranger, abroad. Trouver un bon travail n'est pas facile ces jours-ci. It's not easy these days. Donc, then, what we have to do? On doit faire des études supérieures ou on doit continuer. Instead of faire, you can say, je dois continuer des études supérieures ou mes études supérieures. D'accord? Numéro 5, dans l'avenir, aimerais-tu travailler à l'étranger? Would you like to work abroad? You would say, dans l'avenir, j'aimerais, I would like, de joindre l'université canadienne, a Canadian University, et aller vivre au Canada, and to live there in Canada. Je voudrais y habiter et trouver un emploi. I would like to live there and to find a job. D'accord? Et bien, je répète, he mentioned it. Do you like to live abroad and to work abroad? You would say, yes. Oui, dans l'avenir. J'aimerais, like I said, we have to answer, j'aimerais ou je voudrais. J'aimerais joindre l'université canadienne, the Canadian University, et aller vivre
and to go to live there, au Canada. You have to mention the place, au Canada, au Maroc, en Italie, en Espagne, en France. D'accord? Je voudrais y habiter. Is that mean to work there and to live there? Je voudrais y habiter et trouver un emploi. D'accord? Je pense que c'est facile pour aujourd'hui. À bientôt. Hello, student. Hope you are fine. Welcome for our new role play number 6. Episode number 6. The role play for today is un petit job au camping. Un petit job au camping. Job, qu'est-ce que ça veut dire? Job, it's like the English, it's a job. And we can say in French, travail. D'accord? Quelle est la différence? What is the difference between travail et job? Job is a temporary job, mais travail is a permanent one. That means for the vacation, if you are searching for un petit job in a camping, you will need to know this conversation for the exam. D'accord? Un petit job au camping. D'accord? On commence. We will read first the scenario and we will discuss the question and after that we will discuss the answer. D'accord? The role play for today, un petit job au camping. The professor or the examiner will be the propriétaire d'un camping. Propriétaire, c'est-à-dire the owner or the head of the camping. D'accord? Le scénario is vous téléphonez à un camping en France. You are calling a camping in France. Vous cherchez un petit job pour les vacances. You look for un petit job, a temporary job for the vacation. D'accord? For some weeks. Je suis la propriétaire du camping. The examiner will be the owner of the camping or the head of the camping. D'accord? What are the questions that we are going to face? Premièrement, as we said before, it's always 5 questions. D'accord? Some question in the present, some question in the past, and some question in the future. D'accord. Premièrement, the first question. Quel âge avez-vous? He will ask you about your age. How old are you? D'accord. Numéro 2. De quelle nationalité êtes-vous? What is your nationality? Numéro 3. Et qu'est-ce que vous avez déjà fait comme travail? What is your experience? And déjà fait, that means in the past. What did you do as work before? Travail. Numéro 4. Pourquoi voulez-vous travailler dans un camping et pourquoi en France? Numéro 4. It's divided into 2 sub-questions. Why do you want to work? Travailler here, take care, because it's a often mistake. Travailler is to work, not to travel. D'accord? Don't be confused. Travailler dans un camping et pourquoi en France? Why did you like, why would you like to work in a camping while you are searching for a job in a camping and why exactly in France? Numéro 5 is the future tense. Quand pourrez-vous? Whenever I pronounce ré at the end, pourrez, voudrez, aimerez, d'accord? It's the future tense. Quand pourrez-vous commencer à travailler? When you are willing to start working, et pour combien de semaines, for how many weeks. D'accord? If we see here, vous, he used vous. Vous, that means it's a formal conversation. D'accord? But when I start, I have to use also vous or to use bonjour, monsieur. If I start, bonjour, madame, just to show the examiner that I know it's a formal conversation, like an interview for work, but by phone. Vous téléphonez. It's a phone call. D'accord? Ben, je répète les questions. La première question, quel âge avez-vous? La deuxième, de quelle nationalité êtes-vous? La troisième, et qu'est-ce que vous avez déjà fait comme travail? Numéro 4, pourquoi voulez-vous travailler dans un camping et pourquoi en France? Numéro 5, quand pourrez-vous commencer à travailler et pour combien de semaines? D'accord? On commence. D'accord. Ici, on va relire les questions une autre fois et on va discuter les réponses. If he will ask you, quel âge avez-vous? That means he will ask you about your age. I can start, j'ai 19 ans, but it will be
more politely to say, bonjour monsieur, bonjour madame, and you will present yourself. Je suis Maha, je suis Peter, je suis Jean, je suis Pierre, d'accord? And after that, you will say your age. J'ai 18 ans, d'accord? Because it's like a rude if you answer j'ai 18 ans. You can't, perhaps, you have to present yourself first. But we have to say bonjour monsieur, bonjour madame, and you will say your name. Je suis, hein? Je suis Pierre, je suis Mona, je suis Maha. Et after that, you will say your age. J'ai 18 ans. And I want you to take care of something that a lot. It's a common mistake. A lot of students, they used to say je suis 18 ans, like the English I am. No, in French, I have 18 years old. D'accord? J'ai 18 ans. D'accord? J'ai, it's always j'ai verbe avoir. D'accord. De quelle nationalité êtes-vous? Your nationality, you can say je suis égyptien, je suis égyptienne, je suis marocain, je suis marocaine, but take care here of the masculine and the feminine. If I want to say je suis canadien, that means finish with I-E-N, I don't pronounce the N, je suis canadien, but if I'm talking about a woman or I am a lady, je suis canadienne, okay, if I'm talking to, I say about English, je suis anglais, je suis anglaise, je suis britannique, je suis algérienne. But here we take care of the nationality féminin or masculin. Numéro 3, et qu'est-ce que vous avez déjà fait comme travail about your experience as work before? That means this is in the passé composé and take care when you use the passé composé. You have to say the keyword l'été dernier, last summer, l'été dernier, or les vacances dernières. Also, you have to take care of the masculine or feminine. Summer, last summer, l'été dernier. Les vacances dernières, last vacation. J'ai travaillé, this is the past tense of verb travailler. J'ai travaillé comme assistante dans un hôtel. I worked as an assistant dans un hôtel, in a hotel. Ou j'ai travaillé comme moniteur, as a monitor, moniteur or monitrice. Also, it's about féminin or masculine. You have to take care when you prepare this conversation. D'accord? You have to take care of the masculine and the féminin. Moniteur or monitrice. Assistant or assistante. D'accord? J'ai travaillé, j'ai animé, d'accord? J'ai animé quelques activités au club, hein? J'ai travaillé comme moniteur ou comme monitrice. Numéro 4, pourquoi voulez-vous travailler dans un camping? What would you like? Why? Pourquoi? Why? You would like to work in a camping and why in France exactly? Hein? You will say, je voudrais, I wish. Mm-hmm. I wish. Je voudrais travailler or I hope to work dans un camping pour, for what reason? Pour animer des jeux pour les enfants, to prepare or to organize some games for the kids. Parce que, why? Parce que j'aime les enfants, because I like kids. D'accord? Et j'aimerais travailler en France. I would like to work in France, exactly in France, pour améliorer mon français, to improve my French. But here there's a sense for the answer. D'accord? Why you would choose to work in France? Pour améliorer mon français. Pour améliorer mon français. And why you would choose to work in a camping? Je voudrais, like I said, please include these two verbs whenever they ask you in future. Je voudrais or j'aimerais. I keep repeating it. Je voudrais travailler dans un camping. Pourquoi? Pour animer des jeux pour les enfants. Parce que j'aime les enfants. Because I like kids. I would like to organize some activities, some games, des activités. Instead of jeux, you can say des activités pour les enfants, for the kids. D'accord? And the second part of the question, pourquoi en France? Why? In France, j'aimerais travailler en France pour améliorer mon français, to improve my French, or to spend the vacation, pour passer les vacances en France. D'accord? Numéro 5. Quand pourrez-vous commencer à travailler? The second question in the future also. Hein?
Quand pourrez-vous commencer à travailler? When you are willing to start working, you can say je pourrais, because he asks you, pourrez-vous? You say je pourrais commencer le travail le samedi prochain. Le samedi prochain, le lundi prochain, d'accord? Next Saturday, next Monday, le lundi prochain, le samedi prochain, d'accord? Pour combien de semaines? For how many weeks, semaines? Pour 5 semaines, pour 4 semaines. And please choose a number that it's easy for you, the pronunciation, hein, to be easy and to get a good mark. D'accord? Ben, je répète une autre fois les questions et les réponses. Quel âge avez-vous? Bonjour, je suis Maha et j'ai 18 ans. Numéro 2, de quelle nationalité êtes-vous? You will say, je suis égyptien ou je suis égyptienne, je suis britannique, je suis algérien, algérienne, tunisien, tunisienne, canadien, canadienne, je suis pakistanais, pakistanaise, je suis indien ou indienne. D'accord? Numéro 3, qu'est-ce que vous avez déjà fait comme travail? You have to say, when? L'été dernier, j'ai travaillé comme assistante dans un hôtel, comme réceptionniste dans un hôtel. Numéro 4, pourquoi voulez-vous travailler dans un camping et pourquoi en France? Je voudrais travailler dans un camping pour animer des jeux pour les enfants parce que j'aime les enfants, because I like kids, et j'aimerais travailler en France pour améliorer mon français. Numéro 5, quand pourrez-vous commencer à travailler et pour combien de semaines? Je pourrais commencer le travail, pourrais is a future tense, d'accord? If you don't put the S or you put the S, the same pronunciation. No, huh? No difference. Je pourrais or je pourrais, the two are correct. Je pourrais commencer le travail le samedi prochain pour 5 semaines, 4, 5 weeks. Hope it's easy, huh? And short. À bientôt!